Bonjour à tous les amis, Franck Nicolas au cœur de Montréal ici. J'espère que vous allez bien. Question pour vous, qui vous challenge? Ce qui m'a permis moi de m'en sortir depuis très longtemps, parce que ça fait plus de 25 ans que je suis en business quand même, dans plusieurs secteurs et notamment le coaching et la formation évidemment, mais c'est le fait d'avoir choisi des bons mentors. Quand tu as un bon exemple, un bon mentor, tu as déjà une direction à suivre. Ce que je pourrais te recommander, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ont plusieurs mentors. La problématique avec le fait d'avoir plusieurs sources d'inspiration et surtout de suivre une personne, c'est de se dire, tiens, est-ce que je vais refaire cette façade de cette façon-là? Parce que mon mentor, le mentor numéro A, m'a dit qu'il fallait que je mette un toboggan jaune ici pour évacuer les déchets et que je monte la façade comme ça. Oui, mais j'ai un autre mentor qui m'a dit que je devais plutôt commencer par l'intérieur. Et j'ai un troisième mentor qui m'a dit que je devais commencer par le sous-sol. Je ne sais plus quoi. Et les gens sont paralysés. Donc, identifier pas 40-50 mentors, mais peut-être un mentor dans le domaine du sport, un mentor peut-être dans le domaine du business, j'en sais rien, ou dans le domaine du style de vie. Mais faites en sorte, pour contrôler cet environnement, trouver une personne qui puisse vous inspirer et qui puisse vous mettre, vous challenger, vous pousser. Vous avez besoin de gens qui vous poussent, d'une ou plusieurs personnes qui vous poussent. Et puis ensuite, vous modélisez.